Yo tout le monde, c'est Stardew, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente d'habitude. On va faire du TP sur une map super stylée, les amis. On a des modes super sympas. On est parti, les amis, juste après l'intro. Donc, les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien pour cette vidéo. Je suis accompagné de Rixfor. Salut. Hey, salut à toi, salut tout le monde. Tu vas bien? Bah ça va très bien, merci, et toi? Eh bien ça va très très bien. Donc vous êtes tous, vous vous demandez c'est qui Rixfor, amis? C'était un ancien de la team et du coup comme il est à la base c'est un mec qui fait beaucoup de TP sur sa chaîne, je me suis dit t'es pourquoi exactement. Pas il pourrait revenir, ça pourrait être sympa. En plus voilà, j'ai des modes plutôt sympathiques. Donc les amis, aujourd'hui grosse vidéo TP. Si vous aimez, en tout cas vous n'hésiterez pas à mettre un petit pouce bleu, les gars. Alors on a donc on est sur la map d'Altix, c'est une map privée pour l'instant. Enfin elle va rester je pense privée pour le moment. On a même pas mal de modes privés. Mais alors du coup là, on a pas mal de chantiers sur cette map, on a des chantiers de tranchées et tout. Et ce qu'on va faire, on va essayer de trouver. Je me suis dit ça peut être sympa, on a essayé de trouver un petit chantier plutôt sympa à faire en vidéo avec pas mal de modes. Donc en gros on va enlever la terre ici, si on a une petite route en fait, on va enlever la terre, on va se servir des bulldozers et tout pour pousser la terre. On va aller du coup, bah on la vendra, il y a un dépôt, enfin je crois qu'il y a un dépôt ou un silo pour vendre la terre. Ouais il me semble, ouais. Donc ça. On ira la vendre et après on mettra du goudron pour faire une route, voilà, ouais, de l'enrobé pour faire une route un peu goudronnée comme celle-là. Donc ça fera une très très belle allée. Donc là on a un petit mode ici, c'est un petit une petite chargeuse frontale, voilà, ouais. ZTS. Elle est grave stylée et du coup là, alors là pour c'est ouf tous les modes qu'on a. En tout cas merci beaucoup à l'équipe de Axel Modding, hein, parce que c'est grâce à eux qu'on a les modes privés. Donc alors on a déjà un petit camion très sympa, on a un bulldozer qu'on va pouvoir s'en servir, on a un camion ici. Vas-y, normalement tu peux avec ouvrir ici. Les vitres, il y a lycée à l'intérieur, moi ça bug, mais on peut ouvrir les vitres à l'intérieur, on peut le lever et le baisser. Regardez, vite se baisse, c'est tout trop stylé. Ici on a une petite petite pelle mécanique, c'est une Poclin, enfin on peut modifier, on peut être en Eurovia, Poclin, enfin plein de marques que tu veux. Ici on a un petit Renault avec une benne, du coup c'est une benne Mopu je crois qui a été modifiée. C'est voilà, ça exactement. Avec en gros elle est très sympa, elle est un petit peu sale, c'est un peu fait exprès. Regardez, c'est trop stylé ici. Donc on a cette benne là, ici on a une petite pelle mécanique, pareil pour faire un petit chantier. Et écoutez, on est parti du coup, let's go. Et on a une petite chargeuse là, donc en gros ce que je vais faire, c'est que je vais prendre pour commencer, je vais prendre le tracteur, le petit Renault qui fait très plaisir. Renault, voilà, vous connaissez. Oh non, j'ai pas fait la place. Ok, c'est bon, on est de retour. Donc, du coup, alors, ouais, donc vas-y, Rick, t'as qu'à passer devant. Moi, je vais te suivre. Et en vrai, je vous jure, la benne, elle est super belle. Franchement, super belle. On met des petits gyros. Alors, ça, c'est le petit mode. En vrai, j'ai un mode. Comment ça s'appelle? C'est le reshade, en gros. Mais c'est un peu la merde, en fait. En gros, ça modifie les images du jeu pour que le jeu soit plus beau. Mais bon, ah, t'as dû arracher le trottoir, je crois. Ouais, c'est vachement bon. Serré. Ah, attends, vas-y, let's go, on te suit, on est parti. Alors du coup il y a pas mal de chantiers, si c'est quelque chose qui vous plaît, franchement avant, on refera parce qu'il y a des chantiers de fou, il y a des chantiers pour faire brûler des tranchées, il y a un chantier souterrain. Attends, vas-y, quoi, je vais te montrer. Attends, je vais vous montrer les gars, en gros juste en dessous tu peux descendre et t'as un chantier souterrain sous terre. Regardez, vous descendez, on peut enlever la terre ici et tout, enfin c'est vraiment hyper stylé. La map n'est pas terminée mais en vrai ça peut être trop bien, tu descends avec une petite pelle. Et après il y a d'autres maps aussi qui peuvent être publiées. Ouais, en plus il y a d'autres maps vraiment sympas. Donc si le TP c'est quelque chose qui vous plaît pas mal, moi avec plaisir j'en referai parce que c'est quelque chose que je kiffe aussi faire pas mal. Merde. Ça change de l'agriculture, c'est surtout ça. Ouais, en plus c'est cool là, donc voilà. Alors je vais mettre ma benne où, par contre. Je te laisse descendre. Alors en gros le truc qu'on va faire c'est que, ah oui ça se replie. En gros ce qu'on va faire c'est que tu vas pousser je pense la terre au fond. La terre, oui c'est ça. Et après on la chargera, ouais, avec la chargeuse. Donc ah ça étale quand je marche, ça étale la terre. Je vais mettre ma benne dans le fond là-bas. Au pire ça, tu la mettras aussi que tu voudras. On au niveau de la largeur, en plus on est super correct là pour le. Ouais, en vrai mec ça passe trop bien. Attends, vas-y fais voir. Attends, en vrai il est grave stylé. J'avoue, mais ça marche bien, mec. Mais mec, ça marche tellement bien. Ça marche. Attends, vas-y, fais voir. Deux secondes, je vais tester un petit peu. Alors, tout seul, par donc là, tu démarres. Ok, le reste. Petite vue intérieure, t'as pas mal de petites vues. Ouais, du coup, t'as qu'à ramener l'autre matos. Alors, on est bon ou pas? Donc, en fait, faut juste pousser. En gros, tu peux modifier. Ben, petit retour Windows, c'est moi. Hop là. Tu peux modifier la lame, je crois. Tu peux l'incliner, le lever, le descendre. Donc oui, c'est ça, exactement. La droite, tu peux la replier aussi. Ça, c'est cool. Ouais, attends, prends-toi, je me suis. Pour les transports. Ah oui, attends. Attends, c'est peut-être que mon volant soit droit aussi. Attends, on est bon ou pas là? Ok, là on est bon, c'est parti, on pousse. Attends, je baisse un peu. Ah merde, j'ai pas assez baissé. En gros, ouais, il faudra faire un plusieurs fois parce que j'arrive pas à tout pousser d'un coup. Mais en vrai, c'est trop stylé. Hein. En vrai, je kiffe tellement. Et en vrai, ça va prendre 30 secondes à faire ça parce que c'est le gros. En vrai, il y avait. En tout cas, merci beaucoup à Axel Modding, à ceux qui ont reconverti les modes. Et c'est trop bien. En fait, donc, du beau travail. Bon, après, il y a quelques petites choses à corriger, mais. Ouais, après, c'est toujours des petits problèmes, mais. C'est clair. C'est grave sympa de pouvoir changer un peu de contenu ou présenter des trucs pas mal. Donc, en tout cas, merci à eux. Et d'ailleurs, pour info, ils sont en train de reproduire des choses dans ma ferme. Donc, on verra bien ce que ça donnera. Donc, voilà.
Ah nickel, t'as ramené la pelle, ça c'est bon. Ouais, je vais la mettre là. Donc voilà, après du coup on est rechargé, donc du coup de l'enrobé, donc c'est du goudron dans une benne. En vrai ça se met pas dans une benne, mais bon vu qu'on n'a pas de mode pour, enfin on n'a pas de machine spéciale, on va mettre ça dans une benne, on videra et puis on a une niveleuse en vrai grave sympa aussi. Attends, je te laisse terminer comme ça, je voulais montrer la niveleuse. Vas-y, pas de soucis, ouais. Ouais, il y a un petit bug quand tu descends, les chenilles tournent encore, mais il faut juste s'arrêter. Donc en gros on a une niveleuse, alors elle est où par contre? Je crois qu'elle est dans, je sais plus du tout dans. Elle est dans divers, non? Dans divers peut-être. Dans divers. Je sais plus, dans l'âme, je crois, les niveleuses. Voilà, c'est voilà, ah c'est oui. Là, donc c'est là la Volvo. Et en gros, tu dois mettre une petite lame dessous. Et du coup, ça sert à bien niveler le terrain. Donc, on va se l'acheter. On va acheter la lame qui, je ne sais même pas où elle est. Elle est dans divers, la lame, je crois, il me semble. Je crois qu'elle est dans divers. À voir. Non, pas du tout. Bah, il y a tellement de modes. C'est la. Bah, il y a plusieurs catégories et tout. C'est fou tous les modes qu'il y a. Lame Volvo, là, elle est là, du coup. Et du coup, pour les bulldozers, en fait, faut les acheter séparément, les lames, parce qu'il m'a dit que ça buguait un petit peu. Enfin, bref. Donc alors du coup on a ça, donc on a une petite pelle mécanique, je sais même pas si on s'en servira, je l'ai acheté parce que je me suis dit ça peut être sympa. Donc voilà, ah, alors on est parti, mais en tout cas vraiment c'est cool de faire des vidéos comme ça. Le seul problème c'est que malheureusement c'est des trucs qui sont privés, donc vous pouvez pas l'utiliser. Mais même je crois que c'est bien de changer un peu de contenu et puis c'est cool, parce que là on est le 15 août, donc du coup il y a plein de gens qui sont en vacances. Et c'est cool de changer un peu de vidéo comme ça là. Ah, attends, on est bon ou pas? Ah oui, donc là c'est un peu la merde. Attends, est-ce que tu peux monter dans la Volvo X? Parce qu'en fait c'est ouais, le truc qui se pète la gueule. Donc je vais te la mettre dessous. Attends, on est bon ou pas? C'est dans quel sens? Non, c'est pas dans ce sens là. Non, c'est pas dans ce sens. Attends, il faut que je la chope à la main déjà. Ouais, ça passe, sinon j'avais fait la dernière fois. Ah ouais, attends. T'es sûr? Vas-y, ouais. Essaye, passe dessous. Si t'arrives à l'atteler, en gros c'est un petit peu la merde, je vous avoue, mais. T'arrives ou pas? Attends, à mon avis, il faut juste que je la prenne et que je la tourne. Attends, vas-y. T'arriverais à la choper de là ou pas? Ouais, attends. Est-ce que, là, à mon avis, elle est pas dans le bon sens? Non, elle est à l'envers là encore. Là, elle est bien. Ah, voilà, parfait. Bon. Oh merde, attends, j'ai chopé. Vas-y, donc du coup, c'est bon. Bah, vas-y, je vais l'amener, je pense. À part si elle roule à 2 km/h, elle roule à 25. Ah, parfait. Faut que tu la relèves. Voilà, donc on peut la lever, la baisser, on peut l'incliner dans ce côté-là et on peut même décaler un petit peu. En vrai, elle est vraiment bien. Mis à part la vue intérieure qui est pas forcément faux folle, mais c'est pas le but, on s'en fout de la vue intérieure. Donc voilà. Et du coup, le camion, donc le camion, va falloir qu'on aille chercher l'enrobé avec celui-là, je pense qu'on va faire ça. Ah ouais, tu penses? Ou peut-être, je sais pas si ça passera. Tu penses que la terre va passer dans le Renault ou pas? Oui, ça devrait le faire. Ouais. Bah ok, bon, on va voir. On va commencer à charger d'ailleurs. On va voir. Ouais, vas-y. Et du coup, je voulais vous parler d'un petit truc aussi, les amis, par rapport à ce que je fais en ce moment. Donc, je suis en train de bosser à mort, du coup, pour l'instant, avec et mon père. Donc, je fais les melons et le tabac. Le tabac, ça me prend absolument toute ma journée. C'est fou. Ça prend énormément de temps. Donc voilà. Pour le moment, il n'y a pas de gros trucs de prévu. Enfin, genre pas de nouvelles séries. Les nouvelles séries arriveront en septembre. Donc, j'ai pas mal d'idées. Donc, en plus, si vu que le jeudi, c'est en gros, en général, il n'y a pas grand-chose de prévu sur la chaîne. Mais si voilà, le TP, ça vous plaît, vous laissez un petit pouce bleu. Et vous me direz en commentaire si vous voulez qu'on en refasse. Il y a plein de chantiers, hein, vraiment plein de chantiers. Donc si vous êtes chaud, on peut en refaire. Je sais pas, il y a quoi comme chantier sympa qu'on pourrait faire? Il y a un chantier souterrain et tout là. Ouais, souterrain, ici par exemple tu peux faire une belle petite allée, décorer des choses et tout. Ah, ça c'est quoi, le nom à la LGV? Enfin en vrai c'est des petits détails bien sympas. Là pareil, genre je sais pas, tu peux vider la terre là-dedans. Je pense qu'il y a moyen qu'il puisse même faire des chantiers, tu sais, genre je lui demande de faire un truc et... Donc en vrai voilà, vous me direz en commentaire s'il y en a qui ont des idées de chantier et puis même je lui demanderai au père d'en créer des nouveaux s'il veut. Donc voilà, alors je vais prendre ce camion là les gars. Donc en plus regardez, avec la souris on peut monter et baisser les essieux. En vrai je trouve ça super stylé. Et malheureusement le lycée ne fonctionne pas pour moi, je sais pas pourquoi, parce que c'est moi qui héberge la partie, je sais pas. Ouais, c'est dommage, c'est en vrai c'est super Alice là ce qu'ils ont fait. Mais bon c'est pas grave. C'est alors cool. Là par contre j'ai placé en gros un truc plaçable. Attends merde, j'arrive pas à faire échappe. Ah ça bug, ok retour. En gros j'ai placé un objet plaçable, mais du coup je ne sais pas où c'est qu'il est. Voilà il est là, ok, donc faut que je traverse. Et en gros c'est avec ça qu'on va charger du coup de l'enrober tout simplement. On va essayer de se débrouiller. Et après on va essayer de l'étaler, on verra ce que ça donnera un petit peu. D'ailleurs pour info les amis, je suis dès à présent, à partir d'aujourd'hui même, je suis partenaire farming. Donc là du coup c'est cool en vrai, depuis 4 ans que je suis sur ma chaîne, j'ai réussi à être enfin partenaire farming. Et en vrai il fallait juste leur envoyer un petit mail et voilà, ils se sont dit ouais ok. Donc voilà c'est cool en vrai. Alors attends, pour rentrer, il faut rentrer par où? Je sais pas du tout ce qu'il faut rentrer. Je vais essayer de passer par... sinon je vais couper au pire. Ouais, je pense que finalement il n'y avait pas une grosse épaisseur de terre. Ouais non, tu sais, je pense qu'il a juste posé une petite épaisseur pour... tu me diras, c'est plus... Ouais, t'as mieux aussi. Attends, mais pas grave, j'ai coupé au pire les amis. On va passer par en face, on va rejoindre le terrain. Attention, vive le réalisme. Wouh. Attends, du coup, je suis en forêt mec, je suis dans la forêt. Attends, hop. Ok, on rejoint en gros la petite zone. En gros, c'est un truc plaçable qu'il faut placer. Et voilà, c'est là-bas. Ok, on est parti. Ah, il y a quelques petits coups de lag par contre. Regardez, juste en face, il y a un chantier avec le pont aussi, c'est grave bien. Hop là, voili voilou. Attends, Fred par contre. Fred. Et du coup, tu sais à quoi ça sert les essieux qui se lèvent et qui se baissent? Je sais pas si c'est genre. Je pense que c'est quand le terrain est pas plat. Ouais, voilà, exactement. Ouais, quand c'est pas plat. Donc là, il y a du sable, on peut mettre du ballast, du gravier, du concassé. Après, on préfère un chemin en gravier, mais.
Ouais, je sais pas. Il y a tellement beaucoup de textures dispo. Moi, j'aurais dit, elle est plutôt enrobée, donc c'est noir, c'est plutôt goudron de route. Bon, après, voilà. Après, ça aurait été plus réaliste de faire genre du gravier. Parce que l'enrobé, enfin, le gravier, tu peux le vider par terre et tu l'étales, tu vois. Alors que l'enrobé, il faut une machine spéciale qui chauffe. Ouais, normalement, il faut le finisher, ouais. Ouais, le finisher, c'est un. Bon, j'avais fait une vidéo sur FS17 à l'époque. Ouais, c'est clair. Avec toi, en plus, Chris Force, et qui avait marché de fou. Genre, ça vous a trop plu. Donc, si jamais le finisher. Merde, si jamais le finisher, c'est vous le. Il y a des gens qui le reconvertissent en vrai avec plaisir. On le testera et ça peut être grave grave sympa. Donc voilà. Alors j'arrive avec ma benne d'enrobé, j'ai 18 tonnes. Vas-y, je sais pas vas-y. Si ça suffit. Je vais venir peut-être charger un petit peu. T'as chargé? Ouais, ça devrait le faire en vrai. Ouais, ouais, j'ai commencé à charger. Ben bah, vas-y, viens charger aussi. Je vais charger. Je vais mettre mon camion là, sur le côté. Hop là, ok, donc alors on est bon. Donc là il y a la nébuleuse ici. Là t'es en train de charger. Bah attends, vas-y, je vais charger un petit peu. Ouais. Vas-y. Du coup, vas-y. On s'est pas servi de l'appel, je crois. Mais attends, désolé pour les retours Windows, mais c'est pour l'instant. C'est le. Ah, on peut voir le capot. Aussi. Ah ouais? Attends, comment on fait? Attends, merde, non, j'ai pas de la pique. Niveau intérieur, elle est propre, la voilà. Chargeuse. Ouais, ouais, en vrai, elle est pas si dégueulasse que ça. Ouais. Oh, ouais, j'avoue, elle est pas si moche que ça. Bah, alors, du coup, on est parti, on va charger. Bon, moi, chargé, je suis pas trop très fort. Ok, allez, on va goûter 3000. À prendre la terre là, au bord des bordures. Attends, parce que là, il faut faire avec ce clic là. Là, tu décales. En vrai, je sais pas si on fait vraiment comme ça, mais bon, au moins, ça fonctionne. Tu fais ça, tu vis. Ouais, si ça peut se faire, c'est calculé pour, de toute façon. Attends, vas-y, bon, de la pauvre Ben, je vais rendre là. Attends, hop. En vrai, j'avoue, c'est réaliste. Hein. Après, bon, le reste de terre qui reste sur le côté, on s'en fout, on va juste charger celui-là. Ouais, j'arriverai pas à le choper, là. Même ça, là. Hop, là. Allez, chope-toi, tu là. Mais en vrai, mec, ça va être pas mal. On aura quand même réussi à faire un truc sympa. Ouais, c'est clair. Mais la Pocla, en vrai, la Pocla, par contre, enfin, celle qui. La pelle mécanique juste derrière, elle est sur mon site, par contre, elle est publique, celle-là. Après, la benne qui est ici aussi, elle est publique, juste que c'est la version propre en fait. Genre, Axel l'a modifié. En gros, c'est l'équipe d'Axel Modding. En gros, ils ont fait pas mal. Ils ont fait cette map, ils ont reconverti cette map et plein d'autres trucs. Et du coup, cette benne là, elle est liée sur mon site, mais en version propre, enfin sans les détails de fou. Donc en vrai, c'est la même benne, donc voilà, tout simplement les amis. Allez, et même cette machine là, la ZT truc là, elle est pareille sur mon site, ZTS, ouais. Donc voilà, tout est sur mon site stervio.fr si vous voulez les mods. Donc voilà, et puis ouais, vous me direz, franchement, vous êtes chaud hein, si vous aimez le TP. Moi j'aime bien en faire, faut pas en faire non plus trop souvent parce que c'est un peu. Voilà, mais en vrai, ça. Et après, y'a pas 50 000 chantiers. Voilà, y'a pas non plus 50 000 chantiers. Mais là, vu qu'il y a. Ben, je trouve qu'il y a pas grand monde qui fait du TP sur Farming pour le moment. Non, clairement. Parce qu'on avait fait un petit peu le tour de tout, y'a pas grand monde de choses en mode des maps privées, enfin en mode public du coup. Mais vu qu'Axel m'a passé pas mal de modes privés, mais je me suis dit en vrai, pourquoi pas faire une petite vidéo. Donc après, je sais que ça peut vous saouler un petit peu, que genre, bah ben, vous pouvez pas y jouer. Mais bon, ok, voilà, c'est bon, j'ai tout chopé logiquement. Bon bah nice, parfait. Donc on va pouvoir commencer à étaler l'enrobé. Et ça devrait être bon. Et on va peut-être faire appel à la niveleuse là. Ouais, en vrai ouais, j'ai envie de tester la niveleuse, franchement, on va voir ce que ça donne. Pour essayer de tout niveler correctement. Avant, faut juste acheter les terrains, par contre si vous achetez pas les terrains ça ne fonctionne pas. Ah ouais. Ah, la benne est pleine, il me reste 700 dans le godet, hein. C'est pas très grave au pire. Bon, c'est pas bien grave. On va juste se mettre sur le côté et voli. Il y a un KFC d'ailleurs plus loin, je viens de voir. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut y faire. Bah écoute, on va tester hein. Donc là, cette petite poclin, en fait vous pouvez l'acheter, à la base, vous l'achetez en fait. Faut faire attention aux couleurs. Genre, ne mettez pas genre un peu de rouge là, mais un peu de ce truc là. En gros, là, si vous prenez genre en. Vous voulez la mettre, genre, imaginons en Eurovia. Par exemple, en Eurovia, il faut la mettre en blanc là. Ici, vous sélectionnez le Eurovia. Ici, vous sélectionnez le Eurovia. Et là, dans configuration du moteur, vous mettez aussi Eurovia. Et en fait, là, ça a été fait de manière à ce que. Voilà, en gros, faut tout mettre en blanc. Mais là, Fred Zaza, il a trop géré sur ça. Voilà, en vrai, ça prend, c'est trop stylé. Pareil, si tu veux changer de pelle mécanique, tu la mettras en Poclin. Tu mets ici Poclin, et là du coup tu règles en Poclin et c'est au final la vraie couleur et le vrai truc Poclin. Et mettez pas tout n'importe quoi, sinon ça sert à rien quoi, la pelle est dégueulasse. Bah écoute, c'est parti, je vais essayer d'en mettre un petit peu. Je sais pas si ça va, enfin si mon camion il y en a assez dedans ou pas, mais en vrai il faut juste faire une fine couche hein. Et après bon, je sais même pas si ça va marcher vraiment parce que bon, c'est du farming hein. Donc on va voir si ça fonctionne. Après ça va être dur de faire quelque chose de. En fait, enlève le truc devant, on a dit faut que j'avance à balle. Je vais vite rouler à balle et comme ça ça devrait marcher. Vas-y. Attends, faut juste un petit retour Windows. On est à 16 minutes de vidéo. Oh, ça, on est déjà à 16 minutes en vrai, on aura le temps de faire ça. Allez, ouais, let's go. Ouais, un petit contrôle I. Si ça vide pas. Attends. G. Ah merde. Attends, il faut que tu le fasses parce que j'ai un t'es bug, je peux pas changer la sélection. Ah, je peux oui. pas la changer. Bah du coup, tu le fais. Tu mets la sélection, contrôle I et t'avances et go. Allez. 3 2 1, go. Allez, à mal là. C'est parti. Vas-y. Après, il faut pas avancer trop ouais, vite. Ouais, pas non plus trop vite. Et après, on va étaler. Vas-y. Attends, ils en auront pas le trop. Vas-y, stop. Je pense que là, c'est bon. À part, tu vas aller plus loin. En vrai, attends. Non, non. On va essayer d'étaler. On va commencer à étaler. Et si là, on remarque, on en remettra. Ouais, mais là, il va en manquer à mort, je pense. Ah ouais. Ou alors, ce que tu fais, tu reviens au début et tu fais un gros tas. Et on fait une deuxième couche à côté. Ouais, ah oui, c'est ça. Tu fais un gros tas et après, on l'étalera, je pense.
Alors, je pense que ça peut être sympa. Après, cette pelle-là, je sais pas trop à quoi nous servir. Il y a une lame à... Ah si, il y a une lame à l'arrière. Ouais, il y a la lame. En vrai, elle peut servir la lame. Peut-être que j'avoue qu'on peut... Attends, vue intérieure. En vrai, allez, je veux qu'elle est quand même belle. Hein. Attends, hop, 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 hop. Ah, mais t'es j'étale un petit peu ouais, là. Ouais, ouais, c'est en vrai, cool, ça va. Je sais pas, la lame, si on peut la contrôler. Attends, G. Oui, bien sûr, tu peux la contrôler. V, non, je peux pas la contrôler. La lame à l'arrière, je peux pas. Si, il me semble. Si tu arrives, en vrai, tu veux bien, mais. Ouais, ouais. Vas-y, en vrai, là, en vrai, je pense que ça va être bien. Ah, c'est bide. Vas-y, bide, j'ai plus d'enrobé, ouais, ouais. Ben, soit tu vas en chercher, soit ça va faire l'affaire. Je sais pas. Comme tu veux. Ben là, en vrai, il y en a beaucoup là, il y a un gros tas. En vrai, je pense qu'il y a moyen qu'on arrive à bien étaler. Attends. Si t'arrives à mettre un bon. En vrai, on va baisser parfait, un petit peu. Après, je sais pas si genre il faut l'incliner ou quoi. Je pense en vrai juste baisser. Non, ça non, non. Ouais, ouais, logiquement. Attends, ouais. Là. Ah, dommage, je baisse trop. Attends, là, t'en as un poil trop, ouais. Est-ce que vous pensez que c'est bon là? Après, j'avoue que le TP, j'essaie de faire comme je peux, mais. Après, on est sur farming quoi. C'est sur voilà, après, on est sur farming. Mais attends, je vais refaire un petit coup. En vrai, ça va, c'est, qu'il y a... c'est plutôt plat après. Mais bon, comme je vous ai dit, c'est du farming. Et attends, peut-être qu'on peut décaler. Attends, c'est quoi que j'avais fait? C'était comme ça. Et là, peut-être que tu peux tourner, non? Non, tu peux pas tourner. Non, bah écoutez, on va. Oui, tu peux l'incliner un petit peu le tour. Ouais, 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 mais après, j'ai pas une fin non plus. Ah, j'ai trop baissé là. Bon, on va tester. Vas-y, étale-moi tout ça. Vas-y, vas-y, vas-y. Oui, c'est bon, là, ça va, ça devrait être fonctionner. Ouais, ça va, mec. Ah non, ouais, en vrai, ça un peu trop. Ouais, j'ai levé un peu trop. Bah, j'ai baissé un peu trop. Ouais, après, faut voir. Mais en vrai, ça va. Vu que j'ai trop baissé un moment, mais sinon, j'ai réussi à faire un truc à peu près plat. Donc là, on est bon. Bah, du coup, tu vas en recharger? Ouais ouais, l'usine d'Arombi, tu l'as mise où par contre? En gros, j'ai foutu un petit point là-haut. Je sais pas si tu t'es où toi. En gros, il y a un point en haut là. Tu verras où c'est que je suis. Tu vois où c'est que je suis? Oui. Ben voilà, c'est là. Tu vas pièce cet endroit là. C'est bon. T'as qu'à couper où c'est que tu veux. Maintenant, ouais, ouais. Je vais essayer de d'étaler un petit peu si je peux, genre avec la pelle, je vais essayer d'étaler. Et après, ça devrait, je pense, le faire. Hein. Sinon, après, bon, ce qu'on veut. Ou bien, tu peux aller vendre la terre si tu veux. Je peux aller vendre la terre. Là. Oui, j'avoue que je peux aller vendre la terre. Parce que là, en fait, je vais rouler, je vais étaler en roulant, mais je vais pas en mettre plus en fait. Attends, je vais en choper un petit peu, genre là, vu que ça ne sert à rien. Attends, vas-y, chop, chop, chop. Voilà. Je vais essayer d'en remettre un petit peu ce qu'il a manqué. Voilà, là, il a manqué un petit peu. Là, là, là. Ouais, après, bon, vous avez compris un peu le délire. Mais je sais pas si ça vous plaira. C'est... Ah, bon, je suis en train d'étaler vraiment à l'autre bout du truc. Ouais, j'en ai foutu un petit peu. Attends, la caméra elle est zoomée. À côté? Ouais, j'en ai foutu un peu à côté, par contre. Bon, c'est pas trop. Vous avez compris le délire quoi. Ouais bah écoutez, je pense que je vais aller vendre à Ben et puis on aura fait un truc. Bon là c'est moche mais en vrai il faut juste au pire on finira ça hors vidéo. Après c'est que des détails, vous avez compris un peu le but du truc les amis. Donc voilà, j'espère que ça vous aura quand même plus qu'on a fait. Bah du coup on va quand même chercher l'enrobé, je vais aller vendre ma Ben moi. Ouais ouais j'y vais. Je vais aller vendre, bon je sais pas du tout. Ah non, attends mais c'est pour les vélos, c'est que je roule là. C'est pas du tout là qu'il faut aller. Putain, je suis sur une piste cyclable, ça va pas trop le faire là. Ok bah attends je vais rouler là. Et là c'est quoi qu'il y a? Pareil t'as... Attends merde, t'as un chantier là aussi. Ah ouais, t'as un chantier. Là, tu sais que je suis exactement à ton point jaune, il y a que dalle, mec. Merde, attends. Bon, au pire, c'est pas grave. Au pire, t'en fais pas dans ces cas. En vrai, tu sais, quand je pense, en vrai, dans Robé, je suis sûr qu'il y en a assez. Hein. C'est juste que ça, on l'a étalé un peu partout. Attends, je roule comme de la merde là. On va passer par la route normale et il va falloir qu'on aille vendre ça. Mais dans tous les cas, on va s'arrêter là, les amis. On va s'arrêter. Ah oui, effectivement, ça a débordé. Ouais, ça a un petit peu débordé. Donc voilà, mais écoutez, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous aura plu. On a essayé de changer un petit peu. Et puis, vraiment, c'est vrai qu'on a d'autres idées de chantier. Mais on peut même faire du paysagiste. Parce que regardez, il y a des maisons et tout vachement belles. Donc, ceux qui ont des idées, les amis, n'hésitez pas à proposer en commentaire. Le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et puis, on se donne rendez-vous. Je ne sais pas quand. Tout dépend si la vidéo vous a plu. Si la vidéo vous a plu, on en refera un truc jeudi prochain. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était Stervio et Rixforce. À la prochaine. Allez, ciao tout le monde. Allez, ciao.